Et salut à vous, bienvenue dans le monde d'Ayas. Alors aujourd'hui, je vous amène dans un endroit paradisiaque, un endroit à partager voilà, alors c'est situé et sur la côte méditerranéenne. Voilà, c'est des calanques de Cassitia. Là, on dirait le Néron, c'est un peu un Néron, comme un homme. Ah, salut, c'est un fou. Ça faisait un peu comme le Néron sur Grenoble, pour ceux qui connaissent le massif de la Chartreuse. Donc, on vient de partir de Cassis. Alors, c'est Cassis et pas Cassis, s'il vous plaît. On vient de partir du Port Mieux. Cassis est situé à un peu près 30 km de Marseille. Faire un petit peu d'histoire, j'ai juste trop monté. Au 17e siècle, Cassis prospère grâce au commerce du vin, utilisant le port naturel de Port Mieux. Par la suite, le port de Cassis est créé, permettant l'extension du commerce au vin, l'huile, la pierre naturellement et au bois. En 1720, malheureusement, il y a une épidémie qui touche un sixième de la population. Le port et le village sont en partie détruits par des tempêtes. Au 18e siècle, on a fait un petit tour, fait une visite, tu vas vous bronzer, bronzer, faire un peu d'escalade, pas de plongée à l'époque, et il va brasser dans les vins. Ensuite, au 19e siècle, il y a les Anglais sous les tiens. Bon, on va faire un tour ici et le débarque. Je sais pas pourquoi. J'étais pas là, donc je peux pas vous le dire. Ensuite, il y a la restauration du port, il est remis en état, il voit le jour, la sécherie de la rue, dédicace. Voilà. Ensuite, chemin de fer. Bref, c'est trop beau. Là, tu viens ici, c'est pas très loin, tu viens là, tu bronches, tu te régales. Franchement, là, c'est déjà allé. C'était pas mal. Alors, les calanques se méritent. Sauf une, c'est à pince, d'accord, c'est à pâte. Tu vas à pied, en vélo à la rigueur, c'est simple, en vélo, j'ai déjà fait aussi. Sinon, en bateau, depuis le Port Mieux, c'est le plus simple, d'accord, mais sinon, ça va être à pied. Voilà, il faut savoir si depuis les calanques, depuis Cassis, tu peux rejoindre Marseille. Belle randonnée que peut être effectuée, je vais voir. J'essaierai d'organiser ça dans une prochaine vidéo. Mais bon, ça risque d'être assez long au niveau du montage. Donc, je vous laisse admirer les paysages, les calanques. Voilà. Salut! Ah, les potes que je retrouve tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. Allez hop. Ok, de très beaux spots pour l'escalade. Je vous laisse imaginer. Regardez, franchement, c'est top. Si vous allez tout droit là-bas, il y a mon ancien régiment, du coup, on va cuire.
moi leur petit déjeuner du week-end. Là-dessus. Ah, et si vous voulez faire prendre un bateau, vous demandez un pote, c'est Capitaine Thierry. Né de ma part, vous êtes très bien reçu. Tu as récupéré ton sac, il est en dessous. Alors ce sentier, il va jusqu'à Marseille. Alors pour aller jusqu'à Marseille, il faut monter quand même 7 à 8 heures de marche. Alors Cornillon, c'est également la plus longue de toutes les canons. Elle fait plus d'un kilomètre de millions. Véritable petit port à vue naturel pour une armada de petits bateaux. À peu près 500 bateaux ici à la rive. Ah, ils vont sauter. Ouais, ils font des plongeons, tu vois, d'ici. Et là-bas devant vous, les sangs de bois. Les carrières les plus récentes des castors. Alors, ces carrières ont commencé leur activité en 1920. Ah, souvent, ça saute d'ici. En 1982. Les constructions en béton, comme vous avez à l'avant, ce sont des pays qui existent. Ça va charger la pierre. Il a sauté. Ouais. Voilà. Jean Villiers. Une légende de Morville. Tout à l'heure, il sautait là. Comme d'hab, il saute. Salut. C'est quoi ça? Hop là. Il se régale là-bas. Ah, peut-être qu'il y a des grottes, hein. Ouais, regarde bien, juste là. Allez, saute. Suis la lumière. Saute. Ouais, allez, 1, 2, 3. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Ouais. Elle est moitié, hein. Voilà. Hey, ouais. Voilà. Chouf. Chouf dans l'eau. Ça, tu prends une nuit. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie de visiter Cassis, de faire des activités, la plongée, la voile, la rando, le bateau, etc. Alors c'est vrai que la vue, j'ai vu ma fenêtre, moi j'ai l'impression d'être dans le 38 quand j'entends ma fenêtre, regarder le Vercors ou la Chartreuse, tout le monde donne bien sûr, mais bon, en dessous il n'y a pas, c'est en dessous, c'est pas Grenoble, c'est pas Bordeaux,
c'est la mer. Donc, souvent, voilà. L'impression d'être en 38. Bon, très bientôt à vous.